bébé et Pia dans la 3-7. Refourguer cette dope sans la inhaler. Des ponts caisse négro frotte la bavette. Rio s'occupera de en une allée. Ah non, j'ai un empereur du démon tout comme Kubilay. Et tout c'est mon souhait que je puisse jubiler. On te ôtera la vie si tu jubilais. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui avec mon gars Cinco. Ça dit quoi mon ref? On est là en direct de Jacques Cartier, Bibia Soforea. Là on est exactement sur la rue Christophe Colomb. Je veux dire, je vais te faire visiter un peu le jet. Là où j'ai traîné, là où j'ai tourné certains clips et on va discuter, tu sais comment c'est. Mais vas-y déjà, est-ce que tu peux te présenter mon ref? Bon moi c'est Cinco, j'ai 24 ans, je suis un artiste originaire du 9-4 dans la banlieue parisienne, à Choisy-le-Roi, plus précisément, de la cité Jacques Cartier. Et je rappe depuis que j'ai. Je sais pas ça, je suis toujours, je dis de la merde, c'est très pro. Je rappe depuis que j'étais là, putain, 11-10 ans, tu vois, des trucs comme ça. Ouais ouais. Donc ça fait une bonne dizaine d'années que je rappe déjà maintenant. J'ai 2-3 soldats aguerris, tous entassés dans la chop. Noir. J'arrive me hard comme un guiri. Un guiri. Me prends la boulette dans la gorge. Noir. Y'a les queues font mais la gomme. Noir. Toi de base, c'est quoi qui t'a donné envie de base de commencer dans le son? De faire du son? Bon, y a plusieurs facteurs qui ont fait que je commence la musique. Déjà, y a un artiste, c'est Lil Wayne. Et après aussi, dans mon quartier, il y avait grave. Déjà tous les petits jeunes de mon âge là, ils rappaient. Moi je rappais pas, j'étais le dernier à rapper ici, tu vois ce que je veux dire. Et tous mes petits potes ils rappaient, tout ça, il y avait des concerts, des fêtes de la musique et tout, tu vois ce que je veux dire. Et voir mes gars sur scène, tout ça, comme ils ont ambiançaient le monde, voilà, ça m'avait fait un truc je crois. Et après j'ai décidé de me lancer. En plus de base, tu t'appelais même pas Cinco gros. Ouais. Alors ça veut dire, déjà t'as eu combien de blazes dans toute ta vie gros quand en t'as fait, rappé? Moi j'ai eu trop de blazes. Et genre quand j'étais Sgarman, quand je sortais des sons sous Sgarman, je disais Cinco dans mes sons, t'as capté. Mais vas-y, c'est que maintenant. Si tu réécoutes, tu as capté qu'en fait j'étais déjà Cinco, tu vois ce que je veux dire? C'est mon blaze. Si genre j'ai vraiment trop de blaze, frère, laisse tomber. Et du coup, Cinco, ça a quelle signification ça? Cinco, c'est parce qu'avec mes potes, on bossait, tu connais, comme à peu près tous les petits jeunes de Tchex. Et vas-y, notre bâtiment c'était le 5, donc moi j'étais directement Cinco, tu vois ce que je veux dire? C'est grâce au bâtiment 5 qu'on va te le présenter, c'est ça, tu vois ça? Là, je t'ai dit, on était sur la rue Christophe Colomb. Et là. C'est Jacques Cartier. Le bâtiment 5 allait Jacques Cartier. Et comment, il y a d'autres rappeurs du coup ici j'imagine, non? Un tas. On est trop carrément. Il y a mon pote Pouli, il y a Caïman, il y a Nourou. On est vraiment trop. Wesh. T'as clippé où un petit peu ici? Dans quel raison t'as clippé? Sgarman, si tu te souviens, j'ai fait un son, il s'appelle Sur le Foc Foc, c'était sur Sparking. Sparking il a un peu changé maintenant. Ils ont mis des. Tu sais maintenant il y a le tramway et tout. Mais c'était sur Sparking, c'était exactement là. Là et à côté du parc et tout. Je suis assez bon mais je suis pas le seul. Des fils de putain monsieur. Pega soit pour toucher le ciel. Non non n'est pas le seul. Et après quand je sortais des clips sur Demolition, j'ai fait Bail Noir et une partie de Kubilay Khan ici. Bail Noir c'était là-bas. Je sais pas si tu te souviens, je suis sur des escaliers. Ouais ouais. Et bien les petits escaliers verts là-bas, et bien c'était là-bas. Et dans Kubilay Khan on fait une scène ici. Tu vois ce bâtiment comme ça. Et on est là. T'as capté? Chez nous c'est un peu plus derrière où on a tourné Kubilay Khan. Voilà, ça c'est Magel, allez Magellan, c'est ce que je veux dire. Ça c'est Magellan si tu veux t'acheter des sirops, des trucs, du maïs, tout ça. Toi, ça fait combien de temps que t'habites ici toi frérot? Waouh, ça fait longtemps hein. J'ai toujours habité ici, je crois. Là, j'ai habité ici 10 ans, je crois. Ça fait 10 ans, plus que 10 ans. Peut-être 10 ans, ça. Hein. Hey, moi, tu sais, moi, j'ai pas la notion du temps, Michael. Je suis pas un mec qui peut te dire, ouais, ça fait exactement, tac, tac. Je peux pas faire ça, moi. Ça veut dire, moi, je dis direct 10. T'as capté? Ouais, comme ça. 10, tu vois, c'est beaucoup 10. Tu vois, non? Ici, qu'est-ce qu'on a clippé? On a fait Rabin. Ici, j'ai fait une partie de Rabin. J'étais dans le bâtiment. Et après, tu me vois sur l'allée. Et c'est cette allée-là que tu vois. Quand j'ai tourné Rabin, je me rappelle, j'étais ici. Bail Noir, je t'ai dit, j'étais là. En vrai, j'ai trop tourné. J'ai fait trop, t'as capté? J'ai fait toutes sortes de scènes dans ce quartier. Tu vois, ouais, des clips, ouais. Je m'en souviens pas. Si tu as regardé. Même là, t'as vu la grande place là? Ouais. Un peu plus jeune. Avec Zou MC, Dadou et Caïman. On a clippé là, à La Fontaine, on appelle ça La Fontaine, t'as capté. Le plus gros succès que t'as eu sur un clip, tu dirais c'est quoi toi? Ben genre à l'ancienne ou genre maintenant? De tout ce que t'as fait gros, de tout ce que t'as fait toute ta vie. Je sais même pas. Bon déjà pour commencer, Kubilay Khan j'aime bien parce que j'étais pas connu. Et c'est grâce à ça qu'on va dire j'ai commencé à un peu être connu. Ce que je veux dire, c'est là les gens ont posé les yeux sur moi. J'aime bien mon clip Now. Alors c'est pas celui qui a trop pété mais... J'aime bien ce clip, j'aime bien comment on a bossé dessus. Cette journée-là, genre, elle était, tu vois ce que je veux dire? Four aussi, j'aime bien. Même Gangsta, je sais pas comment t'expliquer. En fait, je crois que j'aime tout. Puis du coup, Kubilay Khan, tout ça, cette période-là, c'était en mode trap et tout. Maintenant, t'es passé dans la drill aussi un peu. T'as fait un EP, Preach Drill, tout ça. Ouais, parce que je sais pas comment t'expliquer. Bon, j'en faisais déjà, en vrai. Moi, j'en faisais, on savait même pas c'était de la drill. Hein. Tu vois, à l'époque de Kubilay Khan, en 2017-2016, j'ai sorti des sons. Sonorité drill, tu vois ce que je veux dire?
mais ça avait pas pété, genre, tu vois ce que je veux dire. Là, vas-y, c'est l'air du moment, tu vois ce que je veux dire, c'est le son que les gens kiffent en ce moment, fallait en faire un peu, tu vois. Et puis là, c'est bien. J'ai fait un petit son, les gens ont kiffé. Le son, il a bien tourné, ça m'a fait du bien, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'avais plus rien sorti en plus, là. Ça veut dire, petit EP drill, il m'a fait du bien, comme prévu, comme ça devait se passer. Et toi, t'as sorti combien de projets? Parce que t'en as fait pas mal, hein, je crois. TY1, TY2. TY3, TY3 2.0, TY4, TY5, The Nord, Push Drill. Exactement 8 projets. C'est un en particulier, gros, que tu retiens plus que les autres. Ce serait lequel, toi? En fait, c'est, pour suivre la logique, on va dire c'est TY2. Parce que c'est grâce à lui, comme je t'ai dit, pour que Billy Khan. C'est grâce à lui que, vas-y, les gens, ils ont posé les yeux, ils ont commencé à écouter mes sons. Tu vois ce que je veux dire? Mais en vrai, je sais pas. Hein. Moi, j'aime bien. Je sais pas, en fait, j'aime bien TY4, par exemple. Les sons dedans, genre, j'ai bossé. Même TY5, j'aime bien. Et même The Nord. Pour te dire, j'aime bien The Nord. En vrai, c'est The Nord qui gagne. Et en plus, c'est mon dernier projet, tu vois, c'est ce dernier qui est sorti en 2019. Et là, mon EP Drill est sorti là, cette année. J'avais peur de sortir avant mon EP Drill. Et The Nord, c'est vraiment là que, tu vois, non. J'étais triste. J'ai vraiment écrit, genre. Et j'aime bien ce projet. Alors, c'est lequel, le fameux 5? Ça, c'est le 3. Le 3, maintenant, le 5, c'est celui-là. Celui-là, hein. En plus, tu sais, ils essayent de l'oublier, c'est-à-dire, tu vois, après, pour ça, voilà. Ils ont cassé. Ben, à la base, c'est le 5, t'as capté rien, là, tu vois. Clac, clac. Clac, clac. Ah, on le voit même plus. Ah, ouais, c'est des bâtards, ils veulent nous virer en fait. Mais c'est le BC5, regarde, blindé et tout bête. Ah, ils l'ont blindé, ouais. Ouais, tu connais, il y a presque plus personne hein, ici. Hein. Il y a presque plus personne qui habite ici. Ah oui, les gens, ça y est, ils commencent à nous reloger là, frère. Ah ouais. Mais quoi, et ça a changé un peu ici du coup depuis. De baiser, mec, de baiser. Wesh, avant c'était trop méchant ici. On était trop, même là, tu vois pas, il y a personne dans le texte, on cherche rien. En plus, ouais, Choisy, c'est pas une ville dans le rap, on entend tout le temps parler. À l'ancienne, tu sais, il y avait un peu des gars de la mafia, Kinfri et tout ça. Mais la nouvelle génération, il y a toi, et après ça, on n'entend plus pas trop parler des autres, non? Ouais, il y a beaucoup de rappeurs à Choisy, t'as vu, mais après, je sais pas, les gens, ils ont pas encore kiffé, je sais pas comment t'expliquer. On a un tas, hein, t'inquiète. Ça va venir, c'est sûr. Ça se trouve, il faut qu'il y ait un mec qui l'ouvre la porte. Ça se trouve, même ce mec, c'est pas moi. Ça. Il y a des jeunes, il y a des petits mecs de Choisy que moi je connais qui kickent fort. Les mecs sont chauds. Par exemple, il y a un petit. Il s'appelle Jeune Morty. Tu connais Jeune Morty? Ça me dit un truc en vrai de vrai. Hein. C'est un mec de Choisy. Ouais. Moi j'aime bien. Il bosse, tu vois ce que je veux dire. J'aime bien ce qu'il fait et j'espère que ça va marcher pour lui, tu vois ce que je veux dire. Comme ça, voilà, boum, Choisy le roi. Et en plus, il y a même des bouts de Choisy. Maintenant, c'est des bouts. Hein, Big Dealer, c'est des étrangers. Ils ont percé, mais c'est des bouts de Choisy, voilà. Il y a un mec de Choisy, maintenant, ça. C'est un ouf en Angleterre. C'est un driller de baiser, mais c'est un bouc de Choisy. Ah ouais, c'est qui? Ah mais ça va comment déjà? Suspect. Suspect AGB. Ah, je connais pas, mais ouais. Voilà. Ouais, bien, Choisy, bien. Par où? Il y a Choisy niveau studio, niveau clipper et tout. Est-ce qu'il y a un peu ce qu'il faut? Non, il n'y a pas de studio ici. Hein. Même pas non. De studio, hein? Pas de studio. Hein. Parce que je me rappelle, même étant jeune, pour aller au studio, on devait aller à Villeneuve, nous. On a la Villeneuve-le-Roi. Et même les clippers. Je sais pas, les gens d'ici pensent à quoi, voilà. Voilà, je peux pas te dire. C'est des fous. Il n'y a pas de boucs qui sont là, qui sont intéressés. Arrête, il y a des boucs, c'est des grands producteurs. Il y a un grand producteur et tout qui habite à Choisy-le-Roi. Mais ouais. Sinon, ouais. Je sais pas, les gens ils pensent à quoi, voilà. Les petits jeunes, ils pensent au filtré, tu vois ce que je veux dire. Ils pensent au shit. Donc voilà, laisse tomber carrément. Je vois, il y a un city, mon gars. Est-ce que il y a des talents dans le foot ici, gros? Ouais. Hey, j'ai dit Christelle. Pardon, merci, tonton. Bon, comme je t'ai dit, on s'est ramolli. Mais avant, quand nous étions petits, on jouait beaucoup. Hein. Et dans ma génération, il y avait vraiment des petits cracks. Hein. Il y avait 4-5 gars là, franchement. Arrête, tout le monde jouait, tu vois, ça jouait bien. Mais après, 4-5 gars, vraiment, non. Et quand ils jouaient, tu vois ce que je veux dire? Tu voyais vraiment qu'ils avaient du ballon. Après, les petits, après moi, là, je t'ai dit, eux, vraiment, drogue, la drogue. Voilà, eux, il n'y a rien. Il n'y a pas de sport, il n'y a pas de. La musique et de la drogue. C'est tout ouais. Ce qui les intéresse. Justement, et la bagarre. Tu voilà. Trouves, chez les petits, la mentalité, elle a changé entre il y a 10 ans, imagine, et maintenant ou quoi? Bien sûr, moi, je pense que nous, la dernière. T'as dit, les 97, 98. Allez, 99, c'est les dernières générations du monde entier. C'est les dernières générations qui pensaient comme nous. Ah, les petits, une nouvelle manière de. Une nouvelle façon de penser. Il y a des nouveaux trucs aussi devant eux. Tu vois, nous, on n'a pas grandi comme eux. Et vas-y, c'est normal qu'on s'en somme pas trop. Mais c'est des gueudins. C'est quand même des gueudins. Je veux dire. Moi, ouais, je fais du sport. Eh, moi, gros. Avant. T'as vu, maintenant, je bois, je fume. Mais avant, gros, laisse tomber. Eh gros, les bicraveurs, tout ça, je leur parlais pas. J'étais un ouf quand j'étais petit, moi, tu vois ce que je veux dire? Je fumais hop, celui qui fume, c'était bizarre, on le disait, j'étais bizarre. Arrête, t'as vu? Je sais pas, il y a des étapes. Eux, ils sont rentrés direct dedans. Eh, ils nous ont vu faire, ils sont rentrés direct dedans, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Nous, on voyait les grands, mais vas-y, on avait quand même. Vas-y. Ouais, je sais pas comment t'expliquer, un peu du jeune. Tu m'as dit aussi, toi, c'est Lil Wayne qui t'a inspiré sur toi à tes débuts. Exact. Et j'ai remarqué un peu en France en ce moment, le rap américain, ça commence à être de moins en moins écouté, les gens ils calculent moins. Ouais, parce que. T'en dis quoi toi? On est plus fort que maintenant, voilà.
T'as vu, moi, avant, t'as vu, par exemple, Booba, Rof, Lafouine, tout ça, là. Tu vois, les grosses têtes rap français. Tu vois, le vrai rap français, je te parle, des mecs cyniques, tout ça. Ils avaient des concurrents directs dans l'autre continent. Des vrais mecs, tu vois, des 50 Cent, du Lil Wayne, du Rick Ross. Et même les Boog avant, ils avaient des vrais concurrents, tu vois, des Biggie, des Pac. Tu vois, des gens, des fous, tu vois, des Nas, tu vois ce que je veux dire. C'était vraiment du rap. Là, tu peux t'inspirer d'un mec comme ça, tu peux t'inspirer d'un Snoop Dogg, mais moi, je peux pas m'inspirer d'un Boog, il met du vernis. Tu vois, des Boog, ils ont pété les plombs, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Au nom de Dieu, là, on est plus fort qu'eux. Là, déjà, on a toujours été plus fort qu'eux, pourquoi? Parce que nous, on raconte un truc. Après, à part les vrais paroliers, les vrais mecs qui écrivent au state, hein, les vrais artistes, parce qu'il y en a. Mais la plupart du temps, ils parlent de leur chaîne, de pute, de ma voiture que j'ai achetée hier, tu vois, des trucs de gang, tu vois ce que je veux dire. C'est bien, c'est leur culture. Mais nous, frère, je sais pas comment t'expliquer. C'est touchant, on peut te faire pleurer, je sais ce que je veux dire. Il y a des punchlines, c'est pas pareil. Et maintenant, nous, notre nouvelle génération, je pense qu'on est plus fort que les Américains. Je pense. Hein. Après, c'est trop. C'est ma façon de penser. que personne me nique. moi, genre, j'ai des influences américaines, mais vas-y. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais. J'ai aussi des influences de mon bled. Tu vois, je suis congolais, tu vois ce que je veux dire. On aime trop la musique. Peut-être sur ma façon de faire mon clip, m'habiller, mettre des beats, tout ça dans le clip. Je sais pas comment t'expliquer. Ça va faire qu'un riz, mais un vrai fuck. Voilà. Là, à l'heure actuelle, du Niska, du Nino, du je sais pas moi, du SDM. Tu vois ce que je veux dire. C'est mieux que du Playboy Carti, que du. Je sais pas, frérot. Tu vois ce que je veux dire ou pas. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, ouais, moi, je te dis la vérité après. Hein. Voilà. Et on est plus. On est là. C'était à l'ancienne, ça. Ça, c'est quand ils avaient des vrais rappeurs, des vrais artistes. Avant, c'était des vrais artistes, ma gueule, les Américains. Avant, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, ouais, avant, ouais. Hein. Là, ça y est, ma gueule. Là, sur tous leurs albums, ils se ressemblent. Et en plus, ils se permettent de critiquer le rap français. Non, c'est pas vrai, ça. Je sais pas après, moi, voilà. Parce que t'as vu, c'est un grand pays. C'est plus grand que nous. Leur langue, elle est très belle. Genre, c'est une belle langue. Ils peuvent raconter de la merde et ça passe bien. Mais au nom de Dieu, on est plus fort que maintenant. C'est fini, ça, c'était avant. Même moi, je te dis. C'était avant. Alors que je suis un grand mec, je fais le quinri, je suis en mode quinri, non, rap français, voilà. Est-ce que ici t'as une anecdote à dire? Un truc qui te passe par la tête, bah, gros? Un jour, c'est ici qu'on a tourné Kouvelé et Khan. Ah, c'était là? Voilà, sur la droite. À un moment, tu peux reconnaître. Et on est arrivé, il y avait un caddie. Il y avait juste un caddie comme ça, tu vois. Mais en fait, tout a changé hein, dans le ghetto. Parce que tu vois, les bâtiments, là, c'est les petits trucs, là, les bâches. Là. Ah ouais. Mais c'était là, tu vois. C'est vraiment ça. Et on était là. Et comme je t'ai dit, il y avait un caddie posé, on a dit non, ça fait trop carré. Venez le faire là. Ah bon, on l'a fait là. Comme des fous. Marco Polo, moi je suis Kubilay. Si toi t'es Marco Polo, moi je suis Kubilay. 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 Kubi. Même mon bouscapé là, j'ai tourné là. Ah, là-bas. C'était ici aussi, hein. Juste derrière là, enfin. Tu vois là. Là. C'était là. Ok. Et ouais. Et ouais. Sinon, c'est comment aussi niveau fit? T'as fait qui un peu? J'ai des bons petits fit. Je sais pas, je peux pas te dire, je crois. Mais vous serez fiers de moi. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous serez content. Parce qu'en vrai, moi, j'ai pas trop fait de feat. Hein. J'en ai fait un tas pour les anges, mais pas pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Genre, jamais le feat, il sort en mode synco, feat, quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est souvent moi, je suis dans le feat. Mais, à part Leto qui est Largo Chebé, j'ai pas fait de feat. Si okay, je suis pas fou. Okay, ouais. C'est ça, Bénin, non? Qui est Largo Chebé, Leto, enfin, pas plus, hein. J'ai pas sorti de feat encore. Et Curtis Kay. Merci beaucoup. Sinon, voilà, hein, c'est mes 4 mecs que j'ai fait des feats avec eux dans ma vie. Mais c'est là, ça. J'en ai fait beaucoup trop, tu vois, il y en a un tas. Et le projet, du coup, on peut s'attendre à quoi? Si t'as des petites explications, des petits indices à donner ou tu préfères garder tout secret, tout. Déjà, faut pas s'attendre à un projet banger, il y a pas de banger, tu vois ce que je veux dire. Bon, il y en a un ou deux, histoire que, voilà. Mais c'est pas un projet de banger, tu vois ce que je veux dire. C'est pas en mode, ouais, Kobe, Non, c'est plus calme. C'est un peu la même lignée que The North, hein. Parce que The North, c'est calme. Juste qu'il y avait un peu plus de. Il y avait un peu des bangers, tu vois. Genre 3, 4, 5. Là, il y en a vraiment 2, pas plus. Je te jure. Et après, j'ai tenté de faire un peu toutes sortes de musiques. J'ai même fait des musiques que mes potes, ils comprennent pas. Tu vois. Des sons que. Je peux pas dire, je crois qu'il a fait ça, lui. C'est ce que je veux dire. Et même des feats. J'ai fait des feats. Quand tu vas voir les blazes à côté du mien, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'ils ont dit dans la musique? Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ce son? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la rue Christophe Colomb, du coup. Alors, d'ici jusqu'à tout là-bas où on a commencé. Et du coup, c'est comment? Parce que je vois, juste là derrière, c'est Orly en fait. Ouais, tu traverses la route. Dès qu'on, là, on est à Orly. Hein, on était. Ah ouais. Là, mais à la base, c'est un grand ensemble, tu vois. C'est juste la ville de Choisy, je crois, ils ont racheté notre cité. Mais à la base, c'est un grand ensemble, tout ça, c'est chez moi, jusqu'à là-bas. Et voilà, Harry et les Saules et tout vers là-bas. Voilà, comme je t'ai dit, à la base, c'est la même cité, voilà. À la base. C'est ici qu'on se termine, mon gars. Voilà, je te jure. Pour terminer, j'ai la toute dernière question, gros, c'est la même dans chaque vidéo.
C'est une question hors sujet, mais c'est la même tout le temps. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Mon équipe de foot préférée? En fait, moi, je suis pour Cristiano Ronaldo. J'ai pas d'équipe de foot préférée, je regarde même plus le foot. Mais pour le plaisir, on va dire PSG. Parce que je suis un mec de Paris. C'est carré. C'est carré, mon gars. C'est quoi tes réseaux aussi qu'on suive? Cinco for rare. À part sur Snap, Nolan McLean. Nolan, tiré du bas, McLean. C'est carré, mon ref. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi, mon ref, d'être passé. Ça fait plaisir. Normal, hein. On est ensemble. Hein. Tout est bon. Je blesse, je suis dans la caisse, c'est rien que j'encaisse, bien plus qu'un kiss. Un flex, je suis dans tes fesses, il faudra pas sucer, c'est de moi sa perce.